Jamel, qui est un confrère du Media Live, qui a été mis sur le côté. Présentation de pièce d'identité. Alors, c'était un petit terminal, en fin de compte, sur lequel il tape l'identification. Et, sans problème. Quand tu penses que la moitié du gouvernement s'approche. J'ai une mission pour vous dire que bientôt ce sera fini pour vous. On est 80 ans. Vive la République ! Vive la République ! On est là, on défend le peuple, là-haut, là. Vive la République ! C'est très bien, il y a une série qui dit que le Covid, c'est fini. C'est une grosse arnaque. Vive les vaillants défenseurs de la République ! On a 20, on est 26. Vive la nation, messieurs, vive la nation! C'est nous qui vous payons d'ailleurs! Hein. Défenseurs de la République! C'est pas Castex qui vous paye, hein, ça c'est certain! Fiers gardiens de la nation! Au revoir! Défendez-nous! Guidez-nous! Il n'y a pas de soucis. Moi aussi! Quoi? Moi je vais arrêter. Bah, il se passe quoi là? Allez. Vive la nation! Vive la liberté! Attendez, vous l'embarquez pas! Tu me dis moi ça, le mec! Hé, vous l'embarquez pas, qu'est-ce que vous faites là? Il n'a rien fait, c'est bon! Messieurs, vous faites le sale boulot de cette petite assemblée de criminels! Eh, monsieur le commissaire, vous n'avez pas honte? La provocation! Monsieur le commissaire, vous avez honte? La brave, normalement, elle est là quand il y a de la casse, quand il y a des tensions. Et là, c'est eux qui créent les tensions. Le commissaire, c'est pas sérieux. C'est la provocation. Soyez magnanime, là, monsieur le commissaire. Moi, j'étais là, je suis venu dire. Écoutez-moi, ils m'ont dit de rappeler les gestes barrières. Attends, oui, on va les faire. Merci. Pour une intervention en 4 cas, c'est tout, et là, il n'y en a pas. C'était de la provocation. Donc, ils ont dit, si on respecte les gestes barrières, ils s'en vont. Ils m'ont dit de vous avertir. Alors, moi, c'est pour ça que je vais enlever mon masque. Ils peuvent me verbaliser. Maintenant, on va revenir là et on va continuer notre manif et on ne va pas céder à leur provocation. Exactement. Allez, on ne pas faire. Mais je suis loin de vous, je fume. Ah, il va te prendre la parole, les copains. Tout le monde en bas. Sans masque. On va contrôler le téléphone. Non, mais j'aligne personne. Une seule position pour tout le monde, mettez. Je l'ai. Voilà. On entendait là, je suis en train d'expliquer. Oh, mais laissez là. Arrêtez de vous. Bravo. Bravo. Vous avez un élu qui passe son masque dans le tutoriel. C'est quand même, c'est une blague. Pourquoi vous défendez un système qui ne vous défendra jamais?
42 millions d'heures supplémentaires. Allez-y, continuez. Elle a fausse brave là. C'est plus cher. Les fausses braves, vous avez pas été cher. C'est une honte. C'est une honte. Mais pourquoi ils font ça? C'est pas vrai! Mais pourquoi ils font ça encore? Non, non, non! Eh, Macron, ça réfléchit sur la place! C'est pas nous qui reculons, c'est vous qui avancez à chaque fois! Mais pourquoi ils font ça? Vous m'avez demandé de sortir. Vous m'avez demandé de sortir. Mais ça va, la barbe elle arrête le virus. La barbe arrête le virus. Liberté, 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 li
Eh, il y a un appel à manifester pour que les gens ils viennent manifester. Là, il n'y a plus personne qui rentre, il y a tout fermé. C'est pas normal. C'est une manifestation, c'est un droit inaliénable. On a le droit d'être là et les gens ont le droit d'y participer. Quand vous vous massez comme ça, vous allez à l'encontre de la loi. La loi, elle vous interdit de menacer les gens. On est encagé. Vous n'avez pas le droit. Le défenseur des droits l'a dénoncé dans un rapport. L'ONU, Amnesty International l'a dénoncé. La défendeuse des droits l'a dénoncé. Et vous continuez à ne pas l'entendre. C'est pas normal, on n'a pas le droit d'être placé. On a le droit de manifester. C'est un droit. On va porter de l'autre droit. Empêchement à une manifestation. Celui d'Extinction Rebellion, il peut le dire. Je me suis fait casser les dents il y a un mois par des policiers. 4 dents. Et ouais. Est-ce que vous faites une entrave à la manifestation? L'article 431-1, il empêche la manifestation d'avoir lieu alors qu'on est autorisé. Vous l'avez déjà fait le 16 novembre, à la date d'anniversaire des Gilets jaunes. Aujourd'hui, vous empêchez les gens de pouvoir circuler et de manifester. C'est le droit fondamental. C'est une atteinte à notre liberté. C'est justement, on ne vous laissera pas voter des lois qui vous donneront toute l'impunité. On est dehors et vous nous trouverez encore dehors. Et on sera contre ce gouvernement. Et vous, quand vous ne respecterez pas les règles, alors que vous êtes normalement les garants et les défendeurs des règles, parce que vous la représentez. Vous représentez la loi, mais vous ne la respectez pas. Vous n'avez pas d'impunité vu sur la loi. C'est pas normal. On devrait avoir le droit de pouvoir manifester, de pouvoir avoir des paroles, des dialogues sereins et en discussion normale dans une manifestation. Merci beaucoup d'avoir fait de la provocation. À chaque fois, vous faites. Vous avez peur de quoi? On est que la population, on n'est pas armé, regardez. On est un simple citoyen. Il a des droits. Liberté, liberté, monsieur, et la liberté. C'est la répression, c'est la dissuasion de la pression. Vous pensez des choses pareilles, vous provoquez. Vous voulez qu'on respecte la loi, vous la respectez pas. Le droit à manifester, il est un droit inaliénable. Il y a qu'un mot à dire. Monsieur, vous avez été verbalisé. Vous avez été fortement comme ça qu'on a pris le plus de 6 millions de juifs. Honte à vous. Il manque votre numéro de la rue. Si vous avez fait attention à ça, peut-être une erreur. C'est lui qu'il faut chercher si vous voulez chercher un coupable. Regardez Véron qui disait, le masque est porté, des joueurs pour pas le porter, c'est marqué sur mon dos. Donc montrez l'exemple. Je crois qu'ils veulent que tu t'engages dans la police, en fait. C'est le plus sympa, monsieur. Monsieur, c'est le plus sympa. C'est le plus sympa, sérieux. Laissez-le. Laissez-le, c'est le plus sympa. Oui, on est là. C'est des pauvres gens. Mais vous n'avez ni cœur ni humanité pour que ça vous fasse.
Mais merde, c'est quoi cette merde? Je suis français, je suis fier. Donc c'est lui qui faut aller chercher. Parce que c'est soit un mafieux criminel, non, mais bon, soit il est incompétent. Donc c'est Véran qui faut aller chercher, c'est lui le criminel. On l'a dit là, vous êtes, il est sorti de mettre le plus grave. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? On a vu, on sent pas de la manif. C'est l'objectif. Parce que...